Soit tu veux bien nous faire confiance, soit... Oiseau tempête! Arrête de bouger! On va aller tous chez moi, on va les perdre. Bon, je crois que c'est fini. Alors, le roi Soleil Abad veut offrir son pardon à un soldat ennemi. Qu'est-ce qu'il attend en échange? Je t'ai posé une question. La vallée est en train de se remplir de machines. Le soleil nous livre l'ombre du Tamen pour découvrir pourquoi. Moi? Toi et Marad, vous avez perdu la tête. Hé, hey, il est irréprochable, Marad. Oh. Vers les trames de l'aube. Il vient vers nous. L'irréprochable a sûrement envoyé des renforts. S'ils avaient prévu des renforts, on n'oserait pas envoyer sortir cette pourriture d'assassin de sa prison. Comment ils peuvent lui accorder une grâce? Des veilleurs. Il me faut un arc. Pas question. Je peux vous aider. Il me dit que Rias tire bien. Ouais, et il va nous transpercer par flèche. On change de place. Quoi? Va devant et pagaie. S'il y a des veilleurs, c'est sûrement qu'il a pris un passage. Prie pour qu'on puisse s'en occuper, alors. On les a fumés? C'est fou. Faites qu'ils ne nous voient pas. Si on réussit à passer inaperçu, je promets d'aller à toutes les cérémonies de l'aube. Par le soleil, c'est pas la première machine que tu vois, Kavad. Essaie de rester gauche, loin d'eux. Nous suivent toujours. Essayons d'arriver avant de le découvrir. Le soleil éclaire les valeureux. Le soleil éclaire les valeureux. Le soleil. Thank you.
Donne ta main. Je vais t'aider. Allez, accroche-toi. Ce carapateur va s'en prendre à moi. Il faut que je quitte ce quai.
Des machines arrivent. Qu'est-ce que tu fabriques, Kavad? Si le bateau chavire, il se noiera avec ses chaînes. Et alors, c'est pas mon problème. Est-ce que vous pouvez m'enlever ça? Kavad. Là. Comment aller dans la lumière si tu ne la vois pas, hein? On aurait dû l'attacher et l'abandonner aux étincelles. Foutu carge à l'ombre. Après tout ce temps passé dans l'armée, elle croit encore en la justice. Tu veux bien t'asseoir et ramer au lieu de jouer au papa? S'il s'enfuit... Il irait où? Le seul endroit où il peut aller, c'est les trains de l'aube, et c'est là... C'est là qu'on l'emmène. Les trains de l'aube? C'est un échange. Tu peux bien t'essayer. Il y a des machines dans les barrages. Marad l'irréprochable te donne une chance. Si on arrive jusqu'à l'étreinte de l'aube en vie, tu pourrais demander une grâce. Donc, soit tu veux bien nous faire confiance, soit... Oiseau tempête! Arrête de bouger! Bon, je crois que c'est fini. Alors, le roi Soleil Abad veut offrir son pardon à un soldat ennemi? Qu'est-ce qu'il attend en échange? Je t'ai posé une question! La vallée est en train de se remplir de machines. Le soleil nous livre l'ombre d'Itamen pour découvrir pourquoi. Moi? Toi et Marad, vous avez perdu la tête. Hé, hey, il est irréprochable, Marad. Oh. Que fait ce grand coup? Il va vers les trames de l'aube. Il vient vers nous. L'irréprochable a sûrement envoyé des renforts. S'ils avaient prévu des renforts, on n'oserait pas envoyer sortir cette pourriture d'assassin de sa prison. Comment ils peuvent lui accorder une grâce? Des veilleurs. Il me faut un arc. Pas question. Je peux vous aider. Ils m'ont dit que Rias tire bien. Ouais, et il va nous transpercer comme flèche. On change de place. Quoi? Va devant et pagaie. S'il y a des veilleurs, c'est sûrement qu'il y a pire. Prie pour qu'on puisse s'en occuper, alors. On les a semés? Des cerfs. Faites qu'ils ne nous voient pas. Si on réussit à passer inaperçu, je promets d'aller à toutes les cérémonies de l'aube. Par le soleil, c'est pas la première machine que tu vois, Kavad. Essaie de rester gauche, loin d'eux. Veilleurs nous suivent toujours. Essayons d'arriver avant l'aube. Le soleil éclaire les valeureux. Le soleil éclaire les valeureux. Le soleil. C'était quoi? Un carapateur.
Vite! Il y en a d'autres! Où est mon arme? On va pas s'en sortir! Hors de question de mourir pour un père, Jason! Ah ah t'aider. Allez, accroche-toi. Va s'en prendre à moi. Il faut que je quitte ce quai. M'a fait libérer. Pourquoi? Je devrais aller à l'étreinte de l'aube et demander à Marad ce que me coûtera son pardon. Thank you.
Si je me souviens bien, je suis à Vivoum. Et l'étreinte de l'aube est de l'autre côté. Bon, j'y vais ou je prends la fuite. Non, je suis pas un criminel. Je vais aller à l'étreinte de l'aube pour voir ce que veut Marad. Des brouteurs. Au moins, ils ne sont pas dangereux. Tu peux courir, tu ne m'échapperas pas! Je ne m'enfuis pas, je... Hé! Alors, l'autre soldat du bateau est en vie. Et elle pense que j'essaie de fuir. Quelqu'un a dû être dérangé pendant son entraînement. Enfin, un peu de chance.
Ne bouge pas. Au moins, si la vallée se remplit de machines, je pourrais me défendre. Est-ce que Marad m'accordera vraiment une grâce si j'atteins l'étreinte de l'aube? Ils ne pardonneront pas si facilement à l'ombre d'Itamen. Il doit y avoir un piège.
poste de garde. Je dois atteindre l'étreinte de l'aube avant ce soldat. Sinon, Marad l'irréprochable m'enverra tout l'hélium. Comment atteindre l'étreinte de l'aube d'ici? Je devrais pouvoir escalader cette tour par le côté.
C'est magnifique ici. J'ai passé trop de temps à l'écart des montagnes.